Allô tout le monde, première journée Infinity pour nous. Donc vous avez dû voir, j'espère, le vlog où on les prenait. Et bah alors là, on va déjà aller chercher les contremarques parce qu'on a fait réservation pour parade et spectacle de ce soir, Illumination. Donc bah, c'est une découverte pour nous. Pas les spectacles, hein, le fait de prendre les places réservées. Voilà, après avoir flashé le code, on a nos tickets pour Illumination ce soir et la parade. Bah, vous verrez ça tout à l'heure. Autre chose de prévu aujourd'hui, pardon, je bloque. Autre chose de prévu, Victor m'avait lancé une sorte de petit défi parce que, en effet, à chaque fois, j'ai soit pris des photos, soit filmé pirate ou princesse. Et ben aujourd'hui, je dois danser. Ça le fait rire, mais je lui réserve une surprise. Alors, l'entrée normale. L'entrée pas normale, mais réservée au Infinity est là-bas. Pour ceux qui nous suivent, le contraste avec la semaine dernière et la masse pour le pin trading. Donc, on va complètement à gauche, par où on sort souvent d'ailleurs. Là, ce qui serait drôle, c'est que ce soit fermé, parce que c'est les heures magie en plus. Il faudrait aller de l'autre côté, et c'est ouvert, c'est bien. Vous avez vu sur une vidéo un autre youtubeur, Curious Axel, pour pas le nommer, c'était au studio, et en fait, ça marchait pas, mais bon, c'était au début. Et on y va. Attention, inauguration. Bonjour. C'est bon. Merci. Ah, c'est bien parce qu'on est... Voilà. Bonjour Christophe. Bonjour Victor. Bonjour tout le monde. Bien, t'es assorti. Voilà. Je ne dirais pas de te coucher dessus, d'abord on les abîmerait. Et je crois que tu te ferais un peu mal même. Ouais, ça. Voilà, toujours dans les 25 ans, jusqu'en septembre, non? Ouais, c'est jusqu'au 9 septembre. 9 septembre. Bah, profitez-en, hein, ceux qui l'auraient pas encore fait. On sait jamais, il y en a toujours qui dorment. Programme. Petite tradition, à chaque fois que je viens au parc, je prends des programmes, j'ai une boîte pleine. Par principe, souvent je ne vous mets pas, mais voilà. Chaque jour au parc, j'ai mon programme. Oui, trois. Donc, on en a un pour la collection, à chacun, et un qu'on garde dans ma poche. Et voilà, bien. Généralement, il vient d'imbiber le soir. Pour ceux qui ne veulent pas aller aux bornes automatiques à l'entrée de l'hôtel, vous pouvez également retirer les contremarques au City Hall. Non, non. Si. Non, non. Si. Pas de licorne. C'est mon copain.
Non, non. C'est Elliot. Elliot. Ah, quelque chose, attends. J'ai pas dit que je le prenais pas. Ouais. Alors, c'est un peu tard, mais je trouve... Il est tristou. C'est il y aurait un t-shirt avec l'affiche par exemple, ça aurait été. Moi j'aurais aimé en tout cas. Mais franchement je sais pas. Je sais pas s'ils en ont vendu beaucoup parce que dans le parc j'en ai pas vu énormément. Mais alors déjà celui pour enfant il est un petit peu mieux. Même sans être super gay. Mais bon voilà, ça, c'est. Je crois que c'est dans la taille maximale. Donc ça aurait été mieux. Hein, j'aurais dû faire un petit effort en plus. Non, moi je vais. Tu l'as déjà en plus petit en fait. La taille. Non. Alors, assez intéressant, toute cette mécanique, c'est à l'origine, les caissiers n'avaient pas le droit de toucher à l'argent. Ils mettaient directement dans une boîte, ça partait ben, grâce à ceci, ce que vous voyez au plafond, directement là-haut, où les gens prenaient la somme qui était dans la boîte, mettaient la monnaie dedans et retournaient cette boîte au niveau de la caisse pour rendre au client. Les temps ont changé. Ça, c'est vraiment sympa comme initiative. Vraiment chouette pour les gosses. Voilà, si vous venez aux Imagineers en plus avec vos enfants, pensez à venir vraiment devant Fantasyland. Je sais pas s'ils le font à Discovery, mais pour l'ouverture du château, ben voilà. De 10 jusqu'à 0. Je vais vous demander de ne pas courir. On va laisser ces enfants partir en avant au château. D'accord ? C'est prêt ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Parfait ! Alors, nous allons compter ensemble. Alors ce qui est dommage, j'étais en train de filmer, donc ce que vous venez de voir, c'est quand Victor est rentré dans quelqu'un en sautant. Très intéressant. C'est en reculant. En reculant, pardon. Bonjour. Bon, dans la continuité, après, lorsqu'on a passé le château, ils donnent aux enfants deux cartes souvenirs. J'ai pu voir Timon et Pumba sur une carte et j'ai pas vu l'autre. Très sympa, vraiment faites-le.
exit by stepping away from the vehicle. Please stand up now. The exit is stepping away from the vehicle. Please stand up now. The exit by stepping away from the vehicle. When it only rise, can you sing with all the colors of the mountain? Can you sing with all the colors of the wind? Can you sing with all the colors of the wind? Ah, c'est une de mes attractions préférées parce que la vue qu'on a sur le parc est juste grandiose. Ah, sans prévenir, elle fonce vers le carrousel. Bon, on l'avait paumé. Leitmotiv dans nos vlogs. Comment perdre son prochain?
Alors, grosse déception, on vient de faire Hyperspace Mountain sans musique. Donc, on a fait quelques petits bruitages, piou piou, boum boum boum. Mais c'est, voilà, c'est vraiment dommage ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Le pire, c'était pour mon anniversaire le 15 août. Deux fois d'affilée sans le son. Joli cadeau de la part Disneyland. Bref, faut vraiment régler ça. Je crois que c'est un train qui a tout le temps ce problème. Faites quelque chose, les gars. À part ça, là, ben, on s'est fait Pinocchio, Dumbo, Peter Pan, le Carousel et Hyperspace Mountain, sans son. Pas comme ça, je veux dire, quand je chante, il y a une préparation mentale, physique, c'est tout un... On filme le canard plutôt, regarde comme il est posé, comme il est bien, regarde-le. J'ai toujours été fasciné par les vieilles photos, début du XXe siècle. Ceux qui ont cette même fascination, qui sont intéressés comme moi, c'est vraiment un endroit super. Regardez un peu. Toujours aimé prendre mon petit déjeuner ici, les photos de San Francisco, les tramways, quelque chose de fascinant. En fait, je réalise qu'il n'y a absolument personne et que je me suis installé et je crois que c'est fermé. Les portes sont ouvertes, mais je crois que l'établissement est fermé. Donc c'était bien fermé et par la même occasion j'ai perdu ma femme, mon fils, ah je les vois là-bas. Alors, autre chose, avec le Pass Infinity, on a le Photopass qui nous est offert. Donc ça aussi, c'est un avantage qui n'est pas négligeable, c'est vachement sympa. Alors, on a fait faire des badges All Around Disney. Si vous nous voyez dans le parc, uniquement dans le parc, hein. Si vous nous voyez, ben, vous venez nous parler, faire un petit coucou, on vous en offre un. C'est comme ça.
J'étais très 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 mauvais comme danseur. Victor n'est pas un grand danseur, mais je lui concède cette victoire sur moi. J'ai, vous me passez l'expression, mais un balai dans le cul. Donc les jambes d'un marathonien, et voilà. Bref, j'ai pas gagné ça. J'étais mauvais. Je le dis, j'étais mauvais. Là, en répétant ça plusieurs fois, j'espère avoir des commentaires en me disant « Non, t'étais pas si mauvais que ça. » Merci s'il y en a qui le font. Bon. Vous savez ce qu'on est en train de faire? Chercher où on va manger. Ça change, hein. Ceux qui ont vu tous nos vlogs doivent se dire, ah, ceux-là, c'est à part bouffer.